En direct d'Abidjan, paraît-il, c'est le meilleur soumis à la France-Afrique, on est tout à fait d'accord. Le plus grand soumis à la France-Afrique, le plus grand soumis au néocolonialisme, en effet, c'est le meilleur. Pour ce qui est de défendre les intérêts des Africains. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de préciser en ce qui concerne le combat que nous menons. Raison pour laquelle je me retrouve ici, malgré que le régime Ouattara se présente comme un régime très performant. En ce qui concerne les services de renseignement, ils se vendent de travail avec les services israéliens, etc., et qu'ils sont capables de tout surveiller. Visiblement, un jeune Africain est capable de vous zigzaguer et de s'installer à Abidjan et de manger son adjéqué tous les jours sans que vous soyez capable de l'arrêter. Vous m'arrêterez quand je déciderai d'être durablement à l'extérieur et non pas de passer rapidement pour mes différents rendez-vous. Là, vous m'arrêterez, mais vous m'arrêterez quand je l'aurai décidé. Ça doit vous faire réfléchir si vous n'êtes pas capable de déjà d'appréhender un élément, un leader politique non violent, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer pour des gens qui peuvent être violents et qui peuvent rentrer comme dans du gruyère ou comme dans du yaourt dans ce pays ? Ça aussi, vous devez réfléchir, monsieur Ouattara et mon cher grand frère Bakayoko, qui malheureusement aujourd'hui, ancien homme de soirée extrêmement brillant, qui est devenu aujourd'hui le chef des tortionnaires et des... Si c'est le meilleur soumis à la France-Afrique, on est tout à fait d'accord. Le plus grand soumis à la France-Afrique, le plus grand soumis au néocolonialisme, en effet, c'est le meilleur. Pour ce qui est de défendre les intérêts des Africains, la souveraineté africaine, c'est le pire. Ado, un adolescent, en effet, face à la maturité du néocolonialisme, un adolescent qui se laisse manipuler, mais tout cela finira par cesser. Ils finiront par comprendre. En direct d'Abidjan, paraît-il, c'est le meilleur soumis à la France-Afrique, on est tout à fait d'accord. Le plus grand soumis à la France-Afrique, le plus grand soumis au néocolonialisme, en effet, c'est le meilleur. Pour ce qui est de défendre les intérêts des Africains, la souveraineté africaine, c'est le pire. Ado, un adolescent, en effet, face à la maturité du néocolonialisme, un adolescent qui se laisse manipuler, mais tout cela finira par cesser. Ils finiront par comprendre. En direct d'Abidjan, paraît-il, c'est le meilleur soumis à la France-Afrique, on est tout à fait d'accord. Le plus grand soumis à la France-Afrique, le plus grand soumis au néocolonialisme, en effet, c'est le meilleur. Pour ce qui est de défendre les intérêts des Africains, la souveraineté africaine, c'est le pire. Ado, un adolescent, en effet, face à la maturité du néocolonialisme, un adolescent qui se laisse manipuler,